Gens de cette cité, de cette province, gens d'espérance sur cette planète pandémique, bienvenue à cette web diffusion dans le cadre du Festival Montréal Nouvelle Musique, dont c'est la 10e édition. Nous sommes en direct de la salle Pierre Mercure à Montréal. Je suis Michel F. Côté, je serai votre maître de cérémonie. Vous aurez deviné que je ferai les traits d'union, donc je tisserai les traits d'union, devrais-je dire, entre chacune des 14 performances de ce concert qui a pour titre « Le cabaret qui ruisselle ». Ce cabaret vous est présenté par les productions Super Musique en collaboration avec la SMCQ, la Société de musique contemporaine du Québec. Et l'événement souligne le 40e anniversaire des productions Super Musique. Cette soirée s'offre à vous comme un bouquet de saveurs, un bouquet d'odeurs. Il s'inscrit dans la série d'événements concerts qui célèbrent cet anniversaire. Ruisselleront sur scène 14 performances de 5 minutes chacune. 3 solos, 8 duos, un trio, un quatuor. Et pour terminer, la chorale Joker en version réduite, en version covidienne, pourrions-nous dire. Donc, 27 musiciennes et musiciens au total. La variété des esthétiques qui constituent la constellation musicale que l'on nomme musique actuelle est prodigieuse. Le cabaret vous permettra de croiser quelques-unes, ou quelques-uns, devrais-je dire, des ruisseaux qui composent les affluents de ce fleuve que l'on nomme musique actuelle. La première performance est celle de Danielle P. Roger, cofondatrice des productions Super Musique. Elle est en solo, mais pas tout à fait, puisqu'elle s'accompagne d'un texte de Claude Gauvreau. Mon olivine, ma ragamuche, mon olivine, ma ragamuche. Je te stoppe ta thalère sur la bouillette, mire qui folchette. J'aracramuse ton épaulette, ton épaulette. Je crudis mal mis ta ripanape. Ta ripanape. Je te cruscuse. Je te goldeple, je te cruscuse, je te goldeple. Ouvre tout grand ton armeau macabre. Et laisse le jour entrer dans tes migmags. Oh, dans tes migmags. Oh, lunette aux fines, je me penche et te cramouille. Je me penche et te cramouille. Orchidée des plaies poches d'être. J'agrimanche ta russe plaite, plaite, plaite. Je te cruscuse.
je te goldeple. Et dans le désert des Marc Macon, et dans le désert des Marc Macon, tes seins, tes seins, Aubert, tes seins, tes seins, Aubert, le silence. Mon Olivine de Daniel Palardy-Roger. C'est sur un texte de Claude Gauvreau. Bon, c'est maintenant, évidemment, là que mon utilité se révèle. Alors, je m'adresse à vous pendant que la scène est en mutation pour la prochaine et deuxième proposition musicale. Je vous ai dit, nous sommes sur le plateau, le vaste plateau de la salle Pierre-Mercure. On a établi trois zones, outre la mienne, la plus petite, la minuscule zone du maître de cérémonie. Il y a la zone numéro 2, celle centrale où était Daniel Pérogé. Il y a la zone numéro 1, si ma mémoire est bonne, où on retrouve nos prochains performeurs. Et une autre zone, celle qu'on appelle la 3, vous l'aurez deviné. Voici donc maintenant Laurie Friedman à la clarinette basse et Scott Thompson au trombone. Ce duo a l'habitude des rencontres spontanées. En voici un exemple. Thank you.
Laurie Friedman, Scott Thompson. Je suis heureux d'entendre des applaudissements parce que je m'étais imaginé qu'il n'y aurait eu aucun applaudissement et que tout ça allait être un peu comme ça, semi-mort. Je m'étais préparé, je me suis dit, bon, mais c'est le grand retour des applaudissements en Cannes après des années d'abandon que cette... manière de faire allait connaître un nouvel âge d'or. Alors, je m'étais préparé. J'avais enregistré une collection de diverses longueurs, divers types de... Parce que les applaudissements ne sont pas tous les mêmes, dépendant si on est au Japon, en Italie ou ailleurs. Mais ça sera inutile, donc je n'utiliserai plus ce procédé, je vous le promets. La prochaine pièce a pour titre « Terre noire ». Elle sera jouée par le quatuor House of Gold. Les membres de House of Gold sont Isaiah Ceccarelli, Kate Clark, Eugénie Jobin-Tremblay et Frédéric Roy. Nous sommes prêts? Nous ne sommes pas prêts. Alors donc, je vais réutiliser mes applaudissements. Et j'avais préparé autre chose, pas seulement que des applaudissements en Cannes. J'avais préparé différents types d'interventions ou de bruits extérieurs que j'appelle des voisinades, afin de combler les moments où il serait nécessaire d'intervenir. Mais ça ne sera pas nécessaire, je parle trop. Alors voici donc, je crois, pour de vrai, cette fois-ci, House of Gold. Chaleur rayonnante
de ton House of Gold. J'en profite maintenant pour vous offrir un peu de littérature, si vous êtes d'accord. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Voici un texte extrait du manifeste « L'école du pick-up en deux faces et 33 points et un tiers ». Voici le point numéro 2. Vous allez comprendre pourquoi j'ai envie de vous offrir, ici et là, des extraits de textes. Ravage sans cervidée. Muni de sa télécommande, de dépit, l'homme du commun surnage dans un état de surdité ambiante.
comme si les médias n'avaient que de l'œil pour du tape à l'œil, et le pouvoir, plus autistique que politique, que des priorités autres, impénétrables et surréalistes. Une belle grosse tristesse de Louis, comme si les temples de la culture n'en avaient névrotiquement que pour leurs fantômes favoris, et les vendeurs d'assurance de l'industrie du disque et du spectacle que pour la supercherie de leur concept d'industrie. Dans ce ravage sans cervidée, qu'est-ce donc que l'actuel ? Nous croyons que l'appellation « musique actuelle » identifie une esthétique qui se caractérise par un métissage musical vital que l'on retrouve depuis 1984, en partie illustré par les productions inscrites au catalogue d'ambiance magnétique. Pas uniquement, évidemment, mais à l'origine, oui. Avec cette audace propre à l'invention, sans interdit et librement, nous avions choisi de vastes champs d'investigation esthétique, pas de système, pas de loi, pas de sectarisme scolaire, aucun intermédiaire, nous devenions nos propres interprètes, réalisateurs et producteurs. Cervidés et réjouis, nous avions pris le parti du franc-parler et de la hardiesse musicale, sans souci de pureté, ne laissant filtrer que le plaisir de semer, cueillir et composter, sans cesse nous-mêmes, les fruits de ces vastes champs. 37 années plus tard, le plaisir n'a fait qu'augmenter et la récolte est encore excellente, à l'évidence. Parlant de fruits délicieux, parlant de fleurs merveilleuses, voici Gabriel Darmaud, chanteur inouï, incandescent. Girl!
Gabriel Darmon. C'était une improvisation entièrement inspirée par l'être que Gabriel s'invente pour chaque occasion. On m'a expliqué que Gabriel se mutait, était en mutation, passait des heures en fait à créer un nouveau personnage avant d'entrer sur scène, et puis ce personnage était la source du jaillissement vocal. Le prochain numéro de ce cabaret qui ruisselle est celui de « Nous perçons les oreilles », libre à vous d'interpréter le nom de l'ensemble comme vous le désirez. Plus de 25 ans d'existence à ce jour pour ce duo. Il se décrit lui-même ainsi. Deux voix, deux gargouilles, deux satyres, deux forces de la nature qui se démènent, chuintent, couinent, raclent, soufflent, mordent et transforment la musique en incantation profane et en un festin de sons. L'improvisation qu'il nous propose a pour titre « Résonance ». Elle offre une musique en constante évolution, en permanente réappropriation. C'est du moins ce que Joanne m'a confirmé. Je vous rappelle que Joanne Etu est avec Danielle Perroger, la co-directrice fondatrice de PSM, les productions Super Musique. Alors, je dois vous dire aussi que, rappelez-vous ce que je vous déclare maintenant, après les performances, après les soupers chez Joanne et Jean, c'est toujours merveilleux parce qu'il arrive parfois que ces deux-là s'emparent de nous. Mais bon, j'en raconte trop, je crois. Alors, j'étire le temps en compagnie de mes amis, Joanne et Jean. Et non, mais c'est vrai que les soupers chez Joanne et Jean sont toujours merveilleux parce que, à l'image de ce que vous allez entendre, ça peut se terminer d'une manière absolument fabuleuse et la musique peut effectivement s'emparer de nous et nous, comment dirais-je, nous amener dans des horizons et dans des lieux qu'on aurait été incapable d'imaginer sans eux. Il faut dire qu'on digère aussi, puis qu'on a pris un peu de vin et ce genre de choses. Mais trêve de plaisanterie et de bavardage, voici enfin « Nous perçons les oreilles ».
Nous perçons les oreilles. Vous voyez peut-être un peu ce que je voulais dire quand je parlais des après-repas chez Jean et Joanne. Pour celles et ceux qui se joignent à nous à l'instant, vous venez d'entrer dans l'univers mental du cabaret qui ruisselle. Nous sommes en direct de la salle Pierre-Mercure à Montréal et PSM et la SMCQ ne se tiennent pas responsables des chocs esthétiques qui pourraient se produire ici, quoique ils pourraient aussi, c'est en discussion. Suit maintenant un autre duo formé, celui-ci de Cathy Kennedy et Virgil Charquia. Il nous offre une improvisation élaborée d'après une idée de Sarah Albou. Le titre en est « Salle de réception 44, rétro-astronef 4 ». Vous reconnaîtrez Cathy parce que sur scène,
elle sera la plus grande, et que Virgile sera, lui, le plus petit. Mais dans la vraie vie, c'est précisément l'inverse. Pour ceux et celles qui connaissent le duo, c'est frappant. Alors, cette pièce, ce numéro d'exception, on s'en reparlera plus tard. Les voici. Thank you.
Cathy Kennedy et Virgil Charquia. Il m'arrive une chose totalement inhabituelle, véritablement inhabituelle. Je viens de recevoir, croyez-le ou non, un texto de notre premier ministre, François Legault, qui se lit comme suit. « Bravo, admirable, merveilleux, quelle belle initiative. Vous devriez répéter cette soirée tous les mercredis soirs, mais un peu plus tôt, de manière à ce que nos tout-petits puissent regarder. » Monsieur Legault, merci. Premièrement, nous sommes surpris, mais aussi ravis de savoir que vous êtes à l'écoute. On sent que vous vous préoccupez finalement un peu de ce qui se passe dans les salles de concert, ou enfin ce qui ne se passe pas. Nous, en échange, on aurait une proposition pour les musiciens, les musiciennes, pour les éventuels maîtres de cérémonie et aussi, surtout, pour les mélomanes. On aimerait bien que vous commenciez à considérer l'idée de réouvrir de manière prudente, il va de soi, les salles de concert, de manière à ce que tout ça revive un peu. Je pense qu'on est dû à presque une année plus tard. On en reparlera donc. Changement de ton, Jean-François Lyotard. C'est une erreur grave et courante d'imposer aux œuvres de l'art une classification par période ou par école. On ne classe en réalité que des produits culturels qui appartiennent en effet aux phénomènes observables de la réalité historique, comme le sont les événements politiques, les mutations démographiques, les changements économiques. Mais ce qu'il y a d'art dans les œuvres est indépendant de ces contextes, même s'ils ne se manifestent qu'en eux et à leur occasion. L'art de l'œuvre est toujours un geste d'espace-temps-matière. L'art de la pièce musicale, un geste d'espace-temps-matière. Son. Voici maintenant Pierre-Yves Martel. Pierre-Yves Martel est en solo. C'est un musicien qui se réinvente lui aussi, comme la plupart de celles et ceux qu'on voit ce soir. Il est ce soir à la Pedal Steel et je l'ai appelé pour l'occasion le Prince Noir. Thank you.
Pierre-Yves Martel. Pierre-Yves, comme plusieurs autres des participants et des participantes à cette soirée cabaret, est multi-instrumentiste. Il est bassiste, basse électrique, contrebasse. Il est aussi gambiste. Récemment, il est devenu batteur et le voici maintenant pédale styliste. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à jouer du iPhone. Alors, je vous fais une démonstration, je ne suis pas très habile, mais je ferai de mon mieux, comme toujours. Et si... Et je peux peu, mon vieux. Mais... Ça me fait plaisir, quand vous voulez. Nous entrons maintenant dans une suite de 5 duos. Je vous en avais promis 8, on en a eu 3, et là on en aura 5 d'affilée. Celles et ceux qui adorent les duos, vous serez servis, vous serez comblés. Profitez-en, ces jours-ci, c'est rare. Alors voici le premier. Il est constitué de Jennifer Thiessen et Ida Toninato. Sommes-nous prêts? Presque prêts. Quasiment prêts. C'est les aléas, évidemment, du cabaret. Le cabaret, j'ai eu le bonheur d'en animer quelques-uns au cours de ma lente carrière. Et à chaque fois, l'imprévu se distingue par son incapacité à être prévu. C'est tautologique, je le sais, mais ça fait du bien de le dire tout de même. Et on est obligé, comme ça, d'étirer le temps et d'être intéressant envers et contre tout. Voici ces dames. Ooh.
Ida Toninato, saxophone, baryton et voix. Jennifer Thyssen, viol d'amour et voix. Ce duo est représentatif, je dirais, des combinaisons instrumentales inhabituelles que l'on retrouve fréquemment au sein de l'esthétique actualiste. Je me rappelle ce duo Cors des Alpes et harmonica, entendu évidemment en Suisse, ou encore celui-ci, plus étrange encore, Cornemuse et Didgeridoo. C'était pas absolument réussi. Je me rappelle également, la liste pourrait être longue, ce duo d'exception Basson et Guimbarde. La Guimbarde était totalement upstagée. Ukulélé et sousaphone. Visuellement, c'était merveilleux. Balafon et shakuhachi, combinaison qu'on oublie trop souvent, à mon humble avis. Et nombre d'autres encore à vous d'imaginer et d'écrire, enfin j'espère. J'en ai fait quelques-unes moi-même pour vrai, en tant que musicien amateur et occasionnel. Il m'est arrivé de me retrouver à jouer d'un instrument que je n'avais jamais joué en compagnie d'un professionnel qui jouait un instrument qui m'était inconnu. Alors c'était déjà une sorte de duo hautement improbable. C'est ce qu'on retrouve ici et là au sein de l'esthétique actualiste. Je vous encourage à les déterrer. On pourrait même en faire un site web de manière à ce qu'on les collectionne et puis que ça puisse d'une manière ou d'une autre faire partie des choses qui caractérisent notre musique. Vous aurez compris encore une fois que je vous dis toutes ces choses parce que j'attends un OK, mais de toute manière, j'en rêverai toute la nuit de ces OK qui ne cessent de ne pas rentrer. Mais ça me plaît bien, dans le fond, de m'imaginer suspendu au prochain OK. Alors voici donc le prochain duo. Il utilise une combinaison de lutherie moins extravagante, mais non moins passionnante. Voici Émilie Girard-Charret au violoncelle et Kevin Gironet à la guitare électrique sur table.
Émilie Gérard Charret et Kevin Gironnet. Avant de vous dévoiler notre troisième duo de suite, laissez-moi vous offrir un autre extrait de ce texte manifeste qui a pour nom l'école du pick-up. Au Miracle Mark, Miracle Mart du coin, nous sommes en quelque sorte les enfants du vinyle. Avec l'éclosion phénoménale du disque Microsillon dans les années 60, une multitude de musiques inouïes devenait soudainement audible pour deux générations de jeunes mélomanes. Désormais, sur les étagères des discothèques personnelles, Brian Eno côtoyait Robert Ashley et l'Art Ensemble of Chicago, Annette Peacock flirtait avec Steve Reich et Fela Kuti, Soft Machine se rangeait aux côtés de Sun Ra et Alexander von Schlippenbach. Le temps d'une décennie, de 65 à 75, l'aventure fut exaltante. Une quantité phénoménale d'excellente musique, toute esthétique et tout continent confondu, était maintenant disponible au Miracle Mart du coin. Musique concrète, gamelan javanais, blues, aucune primauté, pas de bonne ou de mauvaise esthétique, qu'une infinité de choix à faire et de goûts à développer en toute liberté. S'établissant ainsi, de façon directe et individuelle, une logique de discernement critique sans dogme académique. Nous ne faisons pas l'apologie ici de l'industrie du disque « Made in America », ni celle des « Miracle Mart », il va de soi. Nous racontons une des conséquences fortuites et bénéfiques de ce petit impérialisme commercial, loin d'être miraculeux. La connaissance est cette richesse qui s'acquiert proportionnellement à notre ouverture sur le monde, le hasard et la nécessité, ces outils qui nous permettent de combler notre soif, même dans un Miracle Mart. Le prochain duo de ce cabaret qui ruisselle est celui de Anne-Françoise Jacques et Craig Pedersen. Il se nomme Mail Order.
mail order. Duo composé d'Anne-Françoise Jacques aux objets mécaniques, que nous aurions entièrement l'envie de voir de près, et Craig Pedersen à la trompette. Vous serez d'accord si la musique a ce pouvoir d'apaisement et de guérison qu'on lui accorde parfois, celui-ci, avec la quasi-impossibilité actuelle du concert vivant, ne s'opère plus, ou semble-t-il beaucoup moins, c'est ce que j'entends. Le mélomane peut toujours bénéficier de l'écoute privée à la maison, ce que je fais évidemment abondamment. Je découvre 1 milliard de choses depuis 11 mois au moins. Mais la communication collective qu'implique le concert nous manque cruellement. Notre prochain duo, au dire même de celui-ci, a la volonté d'offrir une musique réconfortante. Voici donc à la flûte basse Cléo Palacio Quintin et à la clarinette basse Philippe Lausier, ou enfin presque, parce que le démontage ou le remontage n'est pas tout à fait terminé. Alors me voici donc légèrement encaraffé. J'y prends plaisir, je vous avoue. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quelqu'un qui aime déguster de bon vin quand j'en ai les moyens. Et je le fais fréquemment quand j'en ai les moyens. Et je fais toujours carafer mon vin avant, de manière à ce qu'il se décante. Et ceux et celles qui sont amateurs de ce noble breuvage savent de quoi je parle. Eh bien, je me sens actuellement comme un bon vin en train de prendre toute son expansion et en train d'offrir ses odeurs, ses saveurs et l'ensemble des choses susceptibles d'être offerte de par sa seule présence sur scène dans ce petit coin. Je vous rappelle, nous sommes à la salle Pierre-Mercure, sur ce vaste et merveilleux plateau, dans ce qui semble être un des rares concerts qui se peut encore de nos jours. Merci au Festival Nouvelle Musique. Et puis, ben, je pense que je devrais bientôt arriver au bout de cette souffrance amusante quand même, parce qu'il n'y a pas de douleur extrême ici. Et je suis convaincu que l'écoute donc, de ce prochain duo me guérira de tous les maux qui sont susceptibles de s'emparer de moi, alors que je joue et je jongle avec le temps d'une manière absolument savoureuse. Je n'en doute pas. Voici donc Cléo et Philippe. Thank you.
Cléo Palacio Quintin et Philippe Lauzier, qui nous ont promis un peu de réconfort et qui nous ont donc offert un peu de réconfort. Il faut savoir qu'un bon nombre des musiciens et des musiciennes qui partagent la scène de la salle Pierre Mercure ce soir ont l'habitude de se retrouver à jouer ensemble les uns les autres. Ils et elles participent toutes et tous à ce microcosme musical, à cette écologie esthétique que l'on nomme musique actuelle. C'est rien de nouveau, ça existe dans toutes les esthétiques musicales, il va de soi. Mais dans ce cas-ci, ce qui caractérise peut-être davantage cette scène, c'est qu'il y a véritablement une volonté de se déployer et de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, j'imagine que presque tout le monde qui est ici ce soir a un jour joué avec Jean de Rome ou Joanne Itu ou Philippe Lauzier, par exemple, etc. Et qu'il y a ça, cette espèce de convivialité qui caractérise et qui tisse de manière serrée aussi l'évolution des rapports, bien sûr amicaux, mais des rapports esthétiques. Alors donc, il s'agit véritablement d'une communauté qui célèbre un peu de renouveau ce soir. Le dernier de cette enfilade de duo est celui de Tama Yuge, composé de Maya Kuroki au chant et de Tamara Filiavitch au synthétiseur. Thank you.
Tama Yuge. Maya Koruki et Tamara Filiavitch. Alors, c'était le dernier de nos cinq duos qui s'enlignaient sur un total de huit duos. Je vous rappelle, c'est important. Ça vous, rétrospectivement, confirme le portrait de la soirée. Si vous êtes d'accord maintenant, et vous n'avez pas le choix, bien sûr, voici un dernier extrait du texte manifeste l'école du PECOP. Cet extrait a pour titre « Beau lot pêle-mêle ». Voici un assortiment de particularités sous forme d'inventaire inachevé. 1. Les actualistes sont partout à la fois, au théâtre, en danse, dans les galeries, avec les poètes et les peintres, à l'université de la Ruelle, à la radio et au cinéma. C'est ce que nous nommons l'extase ubiquiste. 2. Les actualistes entretiennent un lien permanent entre le concert et le studio d'enregistrement. Il y a ce constant rebondissement de l'un à l'autre, ce va-et-vient dynamique et régénérateur. C'est ce que nous nommons la dualité Bolo. 3. Les actualistes sont débrouillards. Ils s'autoproduisent pour mieux se diffuser et se diffusent pour mieux s'autoproduire. De producteur à créateur, il y a ce tango permanent qui consiste à s'organiser encore et toujours pour ne pas se faire organiser comme toujours. C'est ce que nous nommons l'ambidextrie lyrique. 4. Les actualistes ont, par essence, une attitude antinomique. Indépendants et fiers, ils sont aussi liés et humbles. Ils sont à la fois guéris, hieros et pacifistes, compositeurs et improvisateurs. L'un, quel qu'il soit, ne va pas sans l'autre. C'est ce que nous nommons tendrement le ping-pong céleste. 5. Comme la vaste majorité des artistes, les actualistes sont, économiquement, relativement pauvres. L'irresponsabilité sociale de nos gouvernements à cet égard est particulièrement cruelle et la lutte vicieuse que nous livrent de nombreux jaloux est injuste. À ce jour, nos choix sont financièrement suicidaires, mais notre plaisir demeure inébranlable. C'est ce que nous nommons la mi-maigre cyclique. Voici maintenant le trio de la soirée, le seul trio de la soirée, nous l'attendions, avec Géraldine Aiguilleuse, Jean-René et Stéphane Diamantacchio, le trio Aiguilleuse. Oh,
Le trio Aiguilu. Madame, messieurs, merci. Nous approchons la fin de cette soirée cabaret qui ruisselle. Évidemment, je remercie l'équipe de la SMCQ pour cet accueil absolument impeccable. Je remercie également tous les membres de l'équipe technique ici présents. Là aussi, nous avons été fort bien accueillis. Dernier bref texte à vous offrir. Sauf pour Jéricho, la musique est un art plutôt inoffensif. Le scandale musical est toujours une révolution interne, une émeute de mélomanes en mal de sensations fortes. L'art musical est sémantiquement relatif, mais il peut agir puissamment sur l'irrationnel, provoquer un émoi considérable.
Il peut unifier spontanément un groupe d'individus, créer un état de transe collective, susciter l'excitation physique ou l'abandon méditatif. Ces rythmes et ces chants sont un appel rituel à conjurer l'inévitable, un parpeur, une magnifique illusion d'éternité. Les autres musiques, celles qui nous sont étrangères, ne sont jamais menaçantes. Tout au plus, elles interpellent le mélomane en lui proposant une autre sensibilité, une nouvelle aventure auditive à prendre ou à laisser. De menaçante, il n'y a que l'ignorance de nos contemporains à l'égard des musiques vivantes. Quand les humains cessent d'écouter la musique, ils cessent de tendre l'oreille, de s'écouter les uns les autres et d'entendre le message essentiel véhiculé par la matière entre la nature et l'humain. Pour conclure l'aventure de cette soirée cabaret, voici la chorale Joker en formation réduite. La chorale est dirigée par Johan Itu. Et j'en suis un des membres habituels, alors j'abandonne avec joie mon poste de MC pour rejoindre la chorale et chanter. Stop it.
Hey! Yeah!